Salut à tous! Et ce soir, je risque d'avoir une tête un peu particulière parce que j'ai la grippe. Je suis vraiment pas bien. Donc, si vous voyez que je tire un peu la tête, c'est normal. Alors, confirmez-moi que vous m'entendez. Je pense que tout doit être OK. Alors, on va pouvoir donc commencer. Donc, ce soir, émission spéciale Master System. Et alors, je vais peut-être rapprocher un peu le micro, ce sera plus pratique. Avant tout, on va faire comme d'habitude les achats de la semaine. Alors, cette semaine, ça va être très rapide. J'ai pas trouvé grand chose à part une manette Wavebird où il y a encore le prix. 9,99 pour une Wavebird, c'est vraiment très bien. Du coup, je l'ai pris, je me suis pas fait chier. Un petit jeu Jaguar que j'avais toujours pas mais que maintenant j'ai. Dragon, la légende de Bruce Lee. Bon, c'est un peu du banal. Toujours, après, toujours dans des jeux un peu bateau mais que j'avais pas. Blades of Steel sur NES. En loose, je me suis. Ouais, ça va être MV qui a dû me refiler sa crève. Hein. Franchement, ça fait chier. Et un petit jeu Famicom que j'avais pas non plus, que je voulais essayer, même si ça paraît pas génial. Atris. C'est fait par le créateur de Tetris, Pajitnov. C'est aussi fait par ceux qui ont fait le portage Game Boy et NES de Tetris. C'est fait par Bulletproof Software. Donc, j'essaierai. Je pense que pendant les vacances. J'essaierai de vous faire pas mal de chaînes perso avec du puzzle game, parce que le puzzle game, pour moi, c'est la vie, quoi. Donc voilà, ce soir, spécial Master System. Alors, voilà, on va faire un point très rapide. La Master System, laquelle prendre? La 1, la 2, m'ont pris dans leur jeu, non, on va pas non plus faire un petit. Pourquoi Sonic Génération en fond? Parce que je galérais à trouver un fond qui colle un peu avec le thème de ce soir. Tetris, tu as un Tengen. Le Tengen, c'est la version Atari qui a été portée et qui a été retirée de la vente aux États-Unis. Ce qui fait que chez eux, le Tetris Tengen est super coté. Je crois que déjà, rien qu'en loose, le Tetris Tengen, c'est déjà 100 $ ou quelque chose comme ça. Enfin, ouais, donc il y a deux Tetris sur NES, il y a le Tengen et le Tetris Bulletproof Software, le Tetris Nintendo. Donc lequel prendre, la 1, la 2? Moi, je vous dis, il faut prendre la 1. Les composants sont bien meilleure qualité. D'ailleurs, souvent, j'en ai une à côté de moi. La 1, le fameux connecteur DIN, le fameux, voilà, qui est ici. Voilà. Généralement, il est de bien meilleure qualité sur la Master System 1. D'ailleurs, toutes les Master System que j'ai eu à réparer, c'était souvent des Master System 2 parce que le connecteur DIN, à force de mettre la prise dedans, il avait fini par défoncer la carte mère. Donc au bout d'un moment, c'est pas génial, c'est pas le beau geste. Et aussi, il y a le fameux connecteur en façade pour mettre les cartes. C'est pas que ça sert à rien. Ça sert si on a des jeux au format Sega cartes. Donc là, le Spy versus Spy, je l'ai aussi en version cartouche normale. Mais je l'ai trouvé au marché aux puces il y a quelques semaines de ça en version Sega cartes. Et en dedans, il y avait même Engon en plus. Donc ça peut toujours servir. De toute façon, si vous avez une Mega Drive et si vous avez le Power Base Converter, je sais pas trop quoi, vous pouvez toujours relire en fait les jeux au format Sega Kart. Mais moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est de prendre la 1, même si elle prend un peu plus de place. Généralement, elle a un peu. C'est quand même un peu de meilleure qualité tout ça. Effectivement, il n'y a pas de bouton reset sur un Master System 2. Sur la 1, il y a le bouton reset à côté du bouton pause, qui d'ailleurs n'est pas sur les manettes. Et je trouve, je sais pas, qu'elle a plus de gueule à Master System 1. Après, ça m'empêche pas d'avoir une Master System 2 en boîte. Voilà, elle est ici, c'est le pack Sonic que j'ai récupéré la semaine passée d'ailleurs. Hop là, voilà, j'arrivais pas à reposer la boîte proprement. Du coup, c'est fait. Alors maintenant, on va attaquer. Ah oui, avant toute chose, c'est pas comme avec la NES en fait, où les accessoires ont vraiment très bien vieilli. Bon là j'ai le Light Phaser que j'avais réussi à trouver en boîte il y a quelques temps. Je vais essayer voilà de mieux le montrer comme ça. Les Light Phaser généralement ils font un peu la gueule. Alors pour faire un point rapide au niveau de la cote d'une Master System, que ce soit un ou deux, comptez 30-40 € avec une manette en loose et en boîte. Moi ce que je vous conseille c'est de trouver ça entre 60 et 80 € si jamais vous en voulez une en boîte et si jamais vous en trouvez une à un tarif respectable. Alors on va démarrer. Alors par contre cette semaine de l'émulation, j'aime pas ça, mais j'ai pas le choix. Hop. Alors on va commencer avec Bonanza Bros. Mais avant toute chose,
Le temps que... Voilà, que je fasse pas le sac et que je clique sur la bonne fenêtre. On va y arriver. Voilà. Alors par contre, quelles sont les forces de la Master System? J'utilise tout ce que j'achète, pas vraiment. Ça m'arrive d'avoir des jeux sous blister que forcément, je vais pas déballer. Alors quelles sont les forces de la Master System? Bah c'est une console qui est quand même assez bon marché et qui a un catalogue de jeux vraiment respectable et qui coûte pas très très cher. Waouh, il est vraiment débile cet ennemi. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Tout droit, on est bon. Il y a des très bons portages de jeux Sega de l'époque et même de jeux Taito. Hein. De mémoire, le Bubble Bubble qui est très bien. Il y a la... Ah, Rainbow Island aussi qui est vraiment très bien. Et le jeu qu'on va faire aussi à la fin, je vous garde la surprise. D'ailleurs, c'est rigolo, vu que j'ai la crève, je sens que le jeu va me faire péter les câbles. Le dernier jeu qu'on va faire, mais bon. Ce sera pour rendre hommage à Mister MV qui tout à l'heure gueulait bien fort. Et qu'on l'entendait sur le stream de l'ami GE2. Eh oh, oh, oh non non, laisse-moi tranquille toi. Wouah. Donc ouais, donc les forces de la Master System 2, c'est comme. Il y a quand même pas mal de jeux qu'on peut trouver à bas prix. Par contre, les faiblesses, bah c'est pas vraiment une faiblesse, mais c'est sorti un peu dans l'ombre de la NES. Tout le monde avait un peu une NES et. Donc voilà. Quoi d'autre? Souvent les manettes sont en très 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 mauvais état. D'ailleurs, j'ai un taux quand même assez impressionnant de manettes Master System 2 qui ne fonctionnent plus. Faudra que j'essaie de voir exactement dedans ce qui ne marche plus pour essayer de voir, faire un tuto pour les réparer. Autant que réparer une Master System 2, c'est très simple. Parce qu'en général, c'est le connecteur DIN. Et il y a un câble à souder entre deux points bien précis. Ce sont 80% des problèmes des Master System que j'ai eu à réparer. Ça venait de là. Ça, et puis il y a aussi une toute petite pièce qui coûte 50 centimes en neuf dans les mains. Et je me souviens plus comment ça s'appelle ce truc. Un régulateur de tension, voilà. Est-ce que j'ai toutes les consoles rétro? Non, parce que le Jaguar CD, j'ai pas. 32X, j'ai pas. En même temps, c'est des add-ons. Je dois peu avoir quasiment tout ce qui se fait, mais. Après, il y a pas mal de choses que je tiens pas à avoir non plus, mais bon. Donc ouais, je conseille vraiment quand on cherche une Master System 2, enfin même une Master System 1 d'ailleurs, de bien vérifier l'état des manettes. Généralement, c'est un peu le... C'est un peu ce qui merde en premier. Donc je parlais tout à l'heure aussi du fameux connecteur DIN qui maintenant va... À force de mettre et de... À force d'enfoncer la prise et de la retirer... La sortie vidéo, elle est pas... Au bout d'un moment, elle fait un peu la gueule. Donc des fois, ça arrive que vous ayez que du son et pas d'image. Ou alors une image qui est très jaune, une image très bleue, une image très verte. Donc quand c'est comme ça, vous inquiétez pas. Il faut juste en fait démonter la console. Il y a un fil à souder entre deux points. Et puis... en parlant de son... Quoi d'autre aussi, j'ai pas... Ah, l'Amstrad... GX, je sais pas trop quoi là, GX 4000. Ça j'ai pas, parce que ça m'intéresse pas. J'aurais pu en trouver à plusieurs reprises, mais bon. Bon, j'ai foiré le bonus stage, on s'en fout. On s'en fout. Donc après, je pense que... J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur un Master System en elle-même. Maintenant, bah, ce jeu... Là, c'est pas compliqué, c'est un jeu qui coûte à peine 10€. Et c'est vraiment un truc qui est... assez sympa. Je connaissais sur Mega Drive. Ah oui, Luigi Blood, je confirme, tu as des fois certains connecteurs DIN qui sont dessoudés carrément. Mais enfin, moi j'ai trouvé que c'était plus fréquent d'avoir carrément en fait le connecteur en fait qui avait défoncé la carte. Oula, lui il me fait peur, c'est bon. Pas de panique. Les lunettes 3D, je les ai, mais pas complètes. Je les avais trouvées aussi en brocante. C'est à 50 centimes. Elles sont complètes, si tu préfères, elles fonctionnent, mais les branches sont foutues. Alors je m'étais dit, je me ferai un délire pour essayer de les réparer ou quoi, machin. J'ai jamais trouvé des pièces pour, mais je crois qu'il y a peut-être moyen, hein. Faudrait que je regarde ça. Et les fameux stick arcade. Je crois d'ailleurs que le fameux stick arcade de la Master System,
Il y a un délire où les boutons sont à gauche, je crois, et le stick à droite, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouah, par contre, là, j'aurais à faire de n'importe quoi. Hein? Non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais foiré. C'est bon. Pas de panique. Enfin, moi, personnellement, la Master System, c'est pas une console que j'ai eue à l'époque. Moi, j'ai eu une NES. Mais j'avais un cousin qui avait la Master System, donc une ou deux fois par an, bon, on se faisait un petit échange, histoire de partager un peu la misère. Non, je plaisante, mais la Master System, c'est vraiment une console qui est très bien. Il y a tout un tas de jeux qui n'avaient pas sur NES, ou qui sont même, d'ailleurs, des fois, bien mieux sur NES. Alors, ce passage ici, avec la presse hydraulique, la première fois que j'ai rejoué au jeu... Ah, je fais de la merde. Ah, continue, oui. Première fois que j'ai rejoué au jeu, je me suis amusé à l'utiliser à l'infini. Et je m'étais fait avoir au time over. C'est vrai que ça ressemble plus à un levier de vitesse d'une voiture des années 60 que... qu'à une manette arcade. Mais enfin. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir passer l'autre côté? Oui. Par contre, attendez, c'est que je regarde le passage... Ouais, bon. On va le faire comme ça. Bon, la Master System, c'est pas une console que j'ai connue, c'est pour ça que c'est une des consoles rétro sur laquelle j'ai pas énormément de jeux. Quand je dis pas énormément, j'en ai quoi, une bonne quarantaine. Et comparé à la NES et à la Super NES, c'est pas ce que je collectionne le plus. Ça m'empêche pas d'apprécier vraiment la machine pour ce qu'elle est, et avoir pas mal de choses. Les consoles récentes, j'ai pas vraiment de préférence, à vrai dire, je m'en fous un peu. Bon, j'ai une PS4 parce que bon... Comme il y avait des jeux de baston stylés qui sortaient un peu en priorité, comme Guilty Gear et tout, bon, c'est un peu pour ça que je l'ai prise. Voilà, c'est bon. Voilà. Alex Kidd est préinstallé dans... Oh non, j'ai oublié un truc en bas. Oh, j'ai fait le sac. Oh là là là, falloir que je redescende. Non, non. C'est bon, il était juste confus. Voilà, on va y arriver. Enfin, 40, c'est beaucoup, oui et non, hein, quand on compare avec mes 180 et quelques jeux NES et quasiment autant, je crois, sur Super NES. J'ai fait mon inventaire de collection après-midi, je l'ai terminé. Mais Alex Kidd, il n'est pas préinstallé dans toutes les versions des Master System. Je crois que les premières versions des Master System ont dedans Safari Hunt et puis je sais plus quoi d'autre. Et Outrun, je crois. Non, Hang On. Enfin bref, il y a quelques versions où il n'y a pas dedans... Pas à chaque fois Alex Kidd dedans. D'ailleurs, le jeu Alex Kidd, en cartouche à part, il vaut maintenant une blinde. D'ailleurs, c'est pour ça que la Master System, c'est bien. Il y a vraiment... Allez, une petite quinzaine de jeux. Le jeu, c'est Bonanza Bros. Donc, je disais, ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a vraiment qu'une quinzaine, bonne quinzaine de jeux qui vaut de la thune. Sinon, ben, tout le reste, ça peut se trouver à des tarifs assez raisonnables. Enfin, raisonnables, à condition de pas vraiment de chercher sur eBay. Si tu l'as complet, version boîte, Alex Kidd, revends-le pas. Hein. Moi, la seule fois où je l'ai vu en 50 collections, il était genre, je crois, à... Ouah, plus de 40 euros, je crois. Ouah, c'est pas bien. Rah, je suis pas concentré. C'est bizarre, hier, j'ai fait le même jeu, mais sans la grippe, et ça allait beaucoup mieux. Bah, après, c'est un peu normal qu'il soit aussi coté, le Alex Kidd. Parce qu'étant donné qu'il était vendu avec la console, avec la Master System, c'est un peu normal que tu le trouves en fait à une blinde en version boîte. J'ai un peu du mal, excusez-moi, mais la crève, ça me réussit pas. Ultima 4, waouh, avec la carte.
Ça faut pas le revendre non plus, hein. Mais bon, je pense que t'allais pas le revendre non plus. Ah. Bon allez, on va essayer de faire ce niveau et puis après on va changer de jeu. Faut que je décide après ce qu'on va faire. Non, ça on le fera à la fin. Autant faire les jeux qui font péter des plombs, autant les faire à la fin, c'est plus rigolo. Ouais, mais approche aussi, parce que sinon on va pas y arriver. Il est bloqué, non. Il est glitché, salaud. Mais reviens ici. Laisse-moi tranquille, voilà. Ah, vous pouvez faire des jeux de mots avec mon nom, avec mon pseudo, y'a pas de problème. Ah, ça me fait marrer. C'est juste que là, j'accuse un peu le coup. Après, il y a pas mal de jeux à l'époque où il y avait des différences de localisation. Bon, Alex Kidd, il est un peu connu pour ses histoires d'hamburger à la place des onigris. Mais j'ai une anecdote que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que j'ai la version Famicom, donc j'ai pu vérifier. Le Dragon Ball sur NES qu'on a tous plus ou moins eu, qu'un pote a eu pour nous et qu'on allait jouer et qu'on se disait ouais c'est pas terrible. Et ben figurez-vous que la fameuse scène où dans le joueur du grenier il dit je sais pas ce qu'il mange, tortue génial mais ça a l'air bon, sous-entendu c'était pas du riz mais une substance blanche. Dans la version Famicom c'est pas du riz, c'est autre chose et je crois que je vous le montrerai un jour. Parce que c'est un peu Peggy 18 ça en fait. Par contre, est-ce que je fais pas de la merde? Non, c'est bien ça. Par contre, là, voilà, il va falloir l'esquiver. Que j'analyse un peu le truc, que je vais d'abord aller à gauche, récupérer ce machin. Oui, ils sont super chiants, c'est bon. C'est une culotte, effectivement. Je voulais pas le dire, parce que c'est un peu Peggy 18. Mais je vous montrerai un peu, des fois, les différences de localisation qu'il y a quand je possède les deux versions. Et j'ai découvert ça en jouant par hasard, en fait, la semaine passée, j'ai branché ma Famicom pour faire pour rejouer à Wrecking Crew. Et je me suis dit, tiens, du coup, non, ça n'a pas un rapport avec Shoot Double de Blue Dragon. Ça a un rapport avec pas mal de choses, mais pas vraiment avec ça. Bon, c'est bon. On va essayer de terminer quand même ce niveau. Oui, c'est bon, c'est passé. Voilà. Après, bon, parlant de localisation et de portage, quelle est la meilleure version de... Ah, je fais n'importe quoi. De Bonanza Bros, la version Mega Drive, elle est vraiment très bien. Le son est un peu moins saturé et dégueulasse quand il y a des voix digitalisées. Puis le jeu est aussi beaucoup plus fin avec cette histoire de... l'intelligence artificielle, les ennemis sont un peu moins en carton sur... Je branche toutes mes consoles rétro sur télé cathodique, effectivement. Sauf que là, ben, c'est en émulation parce que la Master System et la Mega Drive, comme la Dreamcast, ne passent pas dans mon machin de capture. Ce qui est génial. Surtout que je déteste l'émulation. Mais vraiment, hein, le plus profond de mon âme, je déteste ça. D'ailleurs, hier, anecdote, quand j'ai fait de la chaîne perso, il m'a fallu un quart d'heure pour comprendre que je faisais quelque chose de bizarre, à savoir essayer de configurer une manette Mega Drive, alors que l'émulateur, en fait, c'était un émulateur Master System. Donc, il me disait que je faisais des réglages pour une manette 3 boutons, et quand je lançais un jeu Master System, je me disais, ben merde, pourquoi ça marche pas? Bah ouais, ça marche pas parce que tu fais n'importe quoi, mon ami. Alors, tout à l'heure, j'ai vu que ça parlait de Wonder Boy 3. Non, on va pas jouer au 3, on va jouer à Monster Land. Alors, est-ce que j'ai fait ça proprement? Non, c'est pas ça, c'est magnifique. Bonanza Bros, voilà, Fantasy Zone, non. Wonder Boy, voilà. Ah, il était temps. Hop. Allez, on va jouer à Wonder Boy in Monster Land. Alors, pour ceux qui ont joué au portage, d'ailleurs, sur PC Engine... Sur PC Engine, il porte le nom de Bikuriman. Bikuriman, c'était une série animée et accessoirement aussi un jeu de cartes à collectionner. Qui était ultra populaire au Japon. C'est un peu l'équivalent de nos Panini, mais en version chevaleresque avec plein de monstres. Les cartes sont assez stylées d'ailleurs. Perso, mon Wonder Boy préféré de la série,
c'est quand même celui-là. Le 3, c'est celui de Dragon's, je sais pas trop quoi, si je dis si pas de conneries. Il est très bien, mais celui-là, c'est lequel, celui sur lequel j'ai le plus joué. Alors, on va y arriver. Hop. Normalement, je crois que voilà. Il repop ici, et on est bon. Le CPM. Moult pognon. Hop là. Dragon Strap, merci Sinaël. J'avais un doute. Je savais que c'était Dragon's quelque chose. Ah oui, c'est vrai. J'ai le couteau qui va mal, le fameux Opinel. Ouais, effectivement, mon émulateur, je sais pas pourquoi il me sort le son en qualité supérieure. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une option que j'ai cochée? Ah, peut-être ça, ouais. Ouais. C'est vrai qu'hier, j'avais remarqué que le son, je sais plus sur quel jeu, était totalement différent. D'ailleurs, j'ai vu qu'il existe un mode, une modification d'un Master System pour avoir le son en qualité supérieure. La PC Engine, je l'ai. On en fera un spécial, mais ce sera pas sur des jeux que j'ai. Parce que malheureusement, j'ai plus qu'un seul jeu sur PC Engine. Et actuellement, comme elle est pas chez moi, je l'ai prêté à mon cousin. Et mon cousin, pour l'instant, je l'ai pas revu, et ma PC Engine non plus. Par contre, j'ai failli tomber dans la flotte, c'est pas génial, et j'ai pas récupéré le temps, c'est génial. La PC Engine, j'ai même le... J'aime la version US. J'aime la TurboGraf. En boîte, d'ailleurs, la TurboGraf. Ouais, c'est le son FM, je crois, sur Master System. La motif, je l'ai jamais faite. Apparemment, après ce que j'ai vu, ça a l'air à... Je vais pas dire assez simple. Non, un retour vers le futur, mais respectez-vous. Je veux dire, je l'ai pas, le jeu. Déjà que j'ai la grippe, si vous me faites jouer à des jeux de merde. Pff. Ah oui, il y a quelque chose derrière, là. Mister Gimmick, un super jeu qui vaut la peau du chion. Sur NES, d'ailleurs, c'est un jeu que j'aurais vraiment... qui fait avoir sur NES, mais que j'ai pas. Et par contre, pourquoi mon clavier dit 1-1-1? Ah d'accord, ok. Parce que tout simplement, j'avais posé mes notes dessus avec mon stylo, et ben, j'avais fait... Oh non, lui est chiant, lui il est chiant. Allez, approche, s'il te plaît, non. Ah, on va y aller YOLO, hein, tant pis, hein, de toute façon, pour maintenant. Ah bon, si on peut récupérer, c'est bien. Alors là, le saut de l'angoisse, c'est bon, c'est passé. Et là, il y a un boss. Et de mémoire, ici, c'est bien. Ce qui va rebalancer ses flammes, même pas. Et il est mort. Et lui, il donne une épée, qui est le glaive, si je dis pas de bêtises. Ils disent pas. C'est pas grave. Ah, le jeu du serpent sur Nokia 3310, meilleur jeu de l'univers. D'ailleurs, Mister Gimmick, je crois que c'est dans la version Jap, c'est juste Gimmick qui s'appelle le jeu. Même en version Jap, même en version Famicom, c'est compliqué à trouver à un prix respectable. D'ailleurs, pour ça qu'à un moment donné, je voulais le prendre en version Famicom, parce que étant donné que sur Famicom, il y a quand même 2-3 exclus qui valent le coup. Notamment ce jeu. Enfin, c'est pas vraiment une exclu sur Famicom, mais... Ah là 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 là. Alf, dites pas trop du mal de Alf, parce que déjà, la série, j'aime bien Alf, mais le jeu, c'est de la merde. Là, par contre, on peut le dire. Hop. D'ailleurs, j'ai toujours, quand je stream, ma petite figurine Alf, qui tient un chat dans sa main. Je l'ai depuis je sais plus combien d'années, ce truc. Les cartes mode, personnellement, je m'en fous un peu. Si c'est des cartes mode de jeux qui sont jamais sorties, d'accord. Si c'est des cartes mode de jeux qui sont très rares, là par contre, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pour moi du vol, tout simplement. Hein. J'hésite pas à le dire. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé la semaine passée, mais ou c'était il y a 15 jours, j'en avais parlé que je devais aller voir quelqu'un que je connaissais pour savoir si c'était pas fait refiler deux cartes mode. Je ne dirai pas sur. Je ne citerai pas son nom, je ne dirai pas où il travaille. J'ai pas envie qu'il ait des emmerdes. Mais effectivement, il s'est fait refiler deux bootlegs de Final Fantasy
Tézi. Mon cousin Lillois, effectivement. Effectivement. Je ne sais pas pourquoi on me pose la question. Peut-être que c'est lui, en fait, qui est dans le chat. Si c'est ça, ben, des bisous, l'ami. Falloir qu'on chope avant les fêtes de fin d'année. Du coup, ben, les cartes mode, j'ai repéré deux Final Fantasy sur NES, deux Final Fantasy 1. En version US, des beaux bootlegs, des familles. Avec dedans tellement d'incohérences que... Ça en est presque risible. Alors là, le saut qui fait bien chier. Et là, je crois qu'il y a un passage aussi un peu chiant. Non, c'est bon. Je confonds. Ah, mais moi, après, chacun a sa vision aussi de la collection. Les bootlegs, ils sont pas à Lille. Ils sont dans un rayon de 50 km autour de Lens. Je dirais pas où. Mais c'est deux beaux bootlegs, attention, hein, ils sont magnifiques. Magnifiques. Dont avec une pile de sauvegarde qui est à moitié dessoudée, c'est génial. Ah, lui, c'est vrai, lui il est pas gratuit, j'ai intérêt à faire gaffe. C'est bon. Après, j'ai rien vraiment contre les cartes mode. Quand c'est des cartes mode de jeux qui sont jamais vraiment sortis. Comment s'appelle le jeu Super NES que j'avais fait une fois sur ma chaîne YouTube? Ah zut, Nightmare Buster, voilà. Quand c'est des cartes mode de jeux comme ça, moi ça me dérange pas vraiment. Quand c'est des reproductions dans le but de se faire du pognon, un fric égale pognon. Là, ça me fait déjà un peu plus chier. Mais bon, après, chacun a sa vision aussi de la collection. Oula. Ah, mais non. De toute façon. Ah, il faut encore que. Mais non, mais laisse-moi tranquille. Mais non. Ok, c'est bon, on repop là. On va y arriver. Alors attendez, parce qu'il faut que je sois à un endroit un peu safe. Mais non. Du coup, je vais lire le chat, le temps de revenir. Ah! Je dis vos conneries dans le chat et du coup je me fais avoir. C'est bon. On a pris un petit dégât, un petit damage boost. Waouh, mais comment tu veux passer ça? C'est n'importe quoi. Puis en plus, c'est vrai, il y a du temps. Ok. Je le vis bien. Mais de toute façon, si on fait un spécial PC Engine, j'y repense maintenant. Étant donné que ma carte de capture, elle accepte très très mal les consoles Jap. De toute façon, ça se fera en émulation. Voilà. Qu'est-ce que c'est ici au magasin? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Une petite armure des familles. Ouais. Là, on va pas se faire chier. Et j'ai toujours pas acheté de bouclier. Je viens de m'apercevoir de ça. Là, c'est quand même une faute grave. Ouais, bah du coup, on va prendre le petit bouclier, ça va être très bien. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau dans le chat? Ouais, après, si c'est quelque part des choses que tu vas jamais pouvoir trouver. Ah, il y a un trampoline ici, ok, d'accord. Un ressort plutôt, oui, non. Si ça après, aussi, quand c'est des cartes mode, comment dire, de traduction de RPG qui sont jamais sortis chez nous, je sais pas, une version traduite de FF16 française, moi je dis pourquoi pas. Si c'est après juste pour des trucs pour se faire du pognon, bon. Ça m'ambiance déjà beaucoup moins. Comme ces histoires de Final Fantasy 1, ça fait 3 mois que je dis dans le privé que c'est des cartes mode, j'en étais persuadé. Bah après les avoir ouverts, maintenant je sais que le gars qui fait ça, attention, il a fait un travail ultra propre, c'est hallucinant. Mais c'est comme tout. Ah. Hop, c'est bon, encore un petit 10 minutes. Je regardais le temps que j'avais.
Et ces histoires de carte mode, c'est quand même la baise. Hein. Imaginez qu'il y a des gens qui sont prêts des fois à foutre des fortunes dans un truc, et puis c'est des bootlegs. C'est un peu comme les bootlegs, en fait, Neo Geo. Il y a certains jeux Neo Geo AES qui valent blindes, et qu'il y a moyen de trouver, tomber sur énormément de copies. Ça, je crois que dans les années à venir, il y a forcément certains jeux qui vont vraiment se raréfier. Je crois que non seulement les collectionneurs seront extrêmement prudents, mais je crois que le vendeur devra aussi se montrer d'une bonne foi, mais implacable. À savoir qu'il devra se plier un peu aux demandes aussi des acheteurs. À savoir ouvrir les cartouches pour prouver que tout est d'origine. Chose que peu de vendeurs veulent faire déjà maintenant, mais je crois que dans les années à venir... Oula, c'est quoi ça? Ça a l'air l'angoisse quand même ce niveau. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Enfin, en tout cas pas jusque là. Ouah, ah oui, j'avais oublié déjà qu'avec O, on pouvait envoyer des petits sortilèges. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, mais j'ai déjà l'armure. Ah bah on peut t'aider, Jumanju, si tu nous dis exactement ce... à peu près le genre de jeu que tu cherches. Après, chacun a sa vision aussi du truc. Hein. Moi, personnellement, l'émulation, j'aime pas ça. Parce que c'est jamais très fidèle. Puis pour un tas d'autres raisons aussi. Que quand j'ai la console et les jeux, bon, je vais pas m'emmerder. Hein. Puis t'as aussi des trucs qui, de toute façon, seront jamais émulés proprement. Merde! Non, c'est quoi ça? Oh, la baiserie, ce truc! Wouah! D'accord. Ok. Oh là là là, ça s'avance pas bien. Ça joue pas la gagne. Oh là 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 là. De toute façon, j'ai encore 5 minutes à jouer avant d'envoyer la pub. Et merde, je crois que j'ai plus de temps. Je vais essayer de tenter un coup de bluff, mais non. Mais laisse-moi tranquille. Je veux juste remonter. C'est pas comme si j'avais tué toute sa famille quand même, non? Oh là là là, ça fout la gerbe ce passage. C'est bon. Oh là 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 là. Ça joue pas la gagne. On va essayer de rentrer là tout de suite. L'émulation, c'est trop pratique, oui et non. T'as des consoles qui, de toute façon, ne seront jamais émulées proprement. Essaye d'émuler un Vectrex. Par exemple. Essayez d'émuler un Game & Watch. Voilà. Mais je suis d'une mauvaise foi implacable, je l'avoue. Après, j'avoue aussi que pendant très très longtemps, j'ai joué en émulation. D'ailleurs, j'ai commencé à collectionner totalement par hasard. J'avais juste chopé une Super NES et je voulais juste quelques jeux et puis, ben, fil en aiguille, j'en suis venu à choper des jeux pour des consoles que j'avais pas. Ah, ça, par contre, c'est pas bien ça. Ben, ça, c'est les passages de l'angoisse. C'est bon. Puis d'ailleurs, s'il y a de rigolo, c'est que je m'aperçois qu'en émulation, ce jeu est beaucoup plus propre à jouer que dans la version originale. Parce que les manettes Master System sont tellement dégueulasses que c'est super chiant à jouer avec. Enfin, moi en tout cas, j'aime pas les manettes de Master System. Après, quelque part, ceux qui ont pas envie de collectionner, qui veulent juste rejouer à des jeux, faites comme vous voulez. Oh merde, je repars à poil. Ah, c'est pas bien. Bah, du coup, ce que je vais faire, je crois que je vais envoyer la pub maintenant. Et puis, ce sera plus simple. Allez, pub.
De retour. Alors, j'espère que tout fonctionne encore parce que j'ai eu un bug pendant la pub. Un truc Windows dégueulasse en me disant que mon pilote de ma carte graphique ne fonctionnait plus. Donc, j'espère que tout va se passer pour le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre ça. Ouais, ça va être très bien. Hop, un petit Dynamite Dux. Allez. La pochette qui va bien. Ce sera encore mieux. Voilà. Et là on est bien. Alors Dynamite Duck, ce jeu que je connaissais en arcade à l'époque. Le portage Master System est pas vilain, mais bon, on est loin de la finesse aussi des portages qu'il y avait sur le système 16 de Sega. Ah ouais, par contre le chat, il faut quand même mieux le lire, c'est quand même mieux. Ouais, mais c'est pas tout de le lire, il faut recliquer dans la fenêtre de l'émulateur, sinon les contrôles ne fonctionnent pas. Ah oui, donc quand j'y ai rejoué déjà, lui, derrière, qui est dans l'arrière-plan, il me faisait penser un peu au mec du KFC, là. Colonel Sanders, je sais pas trop quoi, là. Le colonel à la con, là. Le massacreur de poulet. Ouais, par contre, va vraiment falloir que je me concentre, parce que
Ce jeu peut vite devenir chiant comme la pluie. Il y a un problème dans ce jeu. C'est un peu comme dans Bart versus Space Mutant sur NES. C'est le fameux paradoxe de l'axe Z. Si cher aux joueurs du grenier. À qui on fait des bisous d'ailleurs s'ils nous regardent. Ah! Colonel Moutarde. Là encore une fois, on est sur du petit jeu qui coûte pas super cher. Le mien que j'ai en boîte. Par contre, quand je mets pause, il y a un grésillement dégueulasse. Ça fait trop mal à la tête. Je vais pas mettre pause. Le mien, je l'ai payé en boîte 3,90€ dans une boutique spécialisée. Il y a quelques temps de ça d'ailleurs. Une boutique qui a fermé. Pourtant, on avait des trucs assez stylés. Waouh, non, non, c'est bon. Après, il y a des machines que dans le guide du collectionneur, je sais que je ferai pas parce que je suis pas vraiment qualifié pour. C'est tout ce qui est partie micro-ordinateur. Déjà parce que ben, je collectionne pas ça, pour commencer. On en fera peut-être des fois, mais de façon vraiment épisodique, on en fera pas de façon récurrente. Alors, si on veut jouer avec Hugo Délire, si on veut jouer avec Hugo Délire, je sais pas. Je saurais pas dire. Je sais qu'il existe des versions PlayStation. Il me semble que c'est sorti sur Amiga. Il me semble qu'il y a un jeu Hugo Délire sur Amiga. Ou Atari ST, c'est l'un des deux. Je pense qu'il y a des gens dans le chat qui devraient pouvoir répondre à Julien Lepers. Pirater France 3. Ah oui, le boss qu'en arcade, à l'époque, je le bourrais comme ça. Et je me suis aperçu que c'était une strat qui était vraiment optimisée, quoi. C'est les stratégies de speedrunner pakistanais, en fait, ça. Ok, bah c'est sur Amiga. D'accord. Bon, Outrun, pour vraiment y jouer correctement, faut y jouer sur Mega Drive. Le portage est bien meilleur. Mais je crois qu'il y a une version spéciale qui est Outrun Europa, je crois, sur Master System. Si je dis pas de conneries, il me semble que je l'ai d'ailleurs. Il y en a sur PS1 des Hugo Délire, effectivement. Je crois qu'il existe d'ailleurs 3 ou 4 jeux sur PS1 Hugo Délire. Faut demander à Régis Robert s'il est un peu spécialiste des jeux Hugo Délire. Effectivement, la communauté de speedrun au Pakistan, c'est craqué, quoi. Ah, ce boss, je le déteste. Et j'ai découvert, c'est à peu près safe de se mettre là, mais par contre, on va devoir bourrer à l'infini. À moins qu'on décide de bourrer que lui. Je vais essayer de voir. En y rejouant hier soir, j'ai vu qu'il prenait vraiment beaucoup trop de temps ce boss. Je vais passer 5 minutes dessus et j'aimerais quand même montrer d'autres choses. Que ce fichu boss, quoique je crois que la stratégie la plus safe, c'était encore de rester là et de bourrer tout ce qui bouge. Ouais. Ah mais non. Ah. C'est vrai que ce boss, il est chiant. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué à Sonic Fighters, un jeu dégueulasse, c'est dit en passant, il y a un personnage dedans qui s'appelle... Enfin, je regarde mes notes, je me souviens plus comme ça de mémoire. Mais il y a un personnage qui est totalement une copie grossière du Piaf Bleu de Dynamite Dux. Sonic 2 sur Master System, non. J'essaie d'éviter un peu les jeux qui sont un peu trop...
Ouais, la mort de DC, effectivement, elle est là. Ça m'apprendra aussi à vouloir sortir des anecdotes au lieu de me concentrer sur le jeu. Bean the Dynamite, merci. C'est totalement une copie du perso de Dynamite Dux. Qu'est-ce qu'il est chiant ce boss, putain. C'est un honteux de faire des... C'est honteux de faire des jeux avec des boss aussi chiants, sans déconner. Le piaf, c'est pas flicky. Effectivement, il y a énormément de ressemblances. D'ailleurs, je pense que les deux jeux sont sortis quasiment à la même époque. Je mettrais bien pause pour regarder le nom du piaf, mais... la pause a un peu un son strident dégueulasse. Regardez. Ah, mais en tout cas, dans mon casque, ça fait un son dégueulasse. Ah ben, je vais en profiter pour regarder. Dynamite Dux. D'ailleurs, c'est rigolo. C'est Kawaguchi, le compositeur du jeu, qui a fait aussi des musiques sur Bayonetta 1, Engon, Space Harrier, Outrun, dont quelqu'un dans le chat parlait tout à l'heure. Ah, attendez, il y a un truc, voilà, que je voulais voir. Voilà. Ah oui, hier, j'ai découvert aussi... que si on restait là et qu'on bourrait, voilà, les machins, les projectiles, on pouvait les esquiver. Sauf que, de temps en temps, dans le jeu, il y a un petit défaut, c'est de temps en temps, on prend du dégât, de façon un peu imbloquable. Et puis, je sais pas pourquoi. En plus, ouais, les tirs de... C'est en plus des tirs à tête chercheuse, des homing. Ouais, c'est une sorte de poulet en fait, le truc du jeu. Non, le nom du piaf. C'est marqué dans la notice, hein, mais si je regarde. Je regarderai après quand je changerai de jeu. Ce sera plus simple. Parce que apparemment, je l'ai pas marqué dans mes notes. Bon, en tout cas, je suis sûr que c'est pas flicky. Même s'il y a énormément de ressemblances. Ah ouais, par contre, passer les cochons sumo, ça va être l'angoisse. Non, c'est bon. Mais non, c'est pas piouf. De mémoire, c'est pas ça. Moi, que je confonds avec... Oh là 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 là. Oui, je m'en doutais, le beau jeu. Parce qu'à la base, je voulais faire Double Dragon 2 à la place de Double Dragon plutôt à la place de jeu. Je voulais faire des petits jeux un peu moins connus. Pour ça que j'ai fini. Ok, bah apparemment tout le monde dit que c'est piouf. Bon. Ok. Vous avez peut-être raison. Je dois confondre avec le nom aussi du piaf de New Zealand Story. Voilà, on va le bourrer à l'infini. Ah bah du coup, je vais pouvoir prendre le temps de regarder, c'est bien. Hop. Ah, c'est bien tout dire. Je vais regarder la notice. Et de pas avoir la notice. N'importe quoi. Je suis vraiment à la ramasse. Je sais que la grippe, ça me réussit pas, mais alors là... Pff. Eh, quand même, c'est quand même assez badass comme jeu. Un piaf bleu avec des chaussures rouges avec un bazooka. Ouais, Edith Piaf, ouais, la blague, bon. J'ai hésité à la faire, après je me suis dit, bon... Pff, au niveau des jeux de mots pourris... Je sais que je me place en haut de la liste, mais bon... J'ai pas osé la faire. Ouais, Double Dragon, l'IA, elle est un peu dégueulasse. Effectivement. Mais j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y a beaucoup de gens en fait qui connaissaient, qui ont découvert Double Dragon à l'époque par la version Master System. Surtout un pote qui est absolument pas un geek. Il est luthier dans la vraie vie. Tiens d'ailleurs des bisous à Benoît s'il nous regarde. Voilà, je passe voir l'ami dans pas longtemps. Faire un petit réglage sur ma folk, ce sera bien.
Et j'ai découvert que lui, il avait découvert qui jouait à Double Dragon sur Master System, il dosait le jeu comme un goré. Alors qu'il me dit, ah, la vidéo, c'est pas bien, bah ouais. Et ça a dosé Double Dragon. C'est pour dire. En fait, ce jeu, c'est comme Mario. Sauf que Mario, il a mis un habit de poulet bleu. D'ailleurs, ça vient de où cette expression, ce jeu c'est comme Mario? Qui c'est qui a sorti ça en premier? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens sur Gaming Live qui ressortent cette expression, mais... Je voudrais savoir qui a la paternité de cette expression. Si quelqu'un dans le chat a l'info. Pour savoir à qui je dois reverser des droits d'auteur. Hop, voilà un petit hamburger. D'ailleurs, c'est un canard bleu qui... Un poulet bleu qui mange des hamburgers. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, le passage de l'angoisse. Voilà. Ah oui, bah oui, trop près. Ok, donc apparemment, ok, apparemment c'est MV qui a sorti ça, d'accord, ok. Ah bah MV, c'est totalement une légende. Y'a pas... Hop. C'est quelque part la rançon de la gloire. Et non pas la rançon de ma gloire. Commencez pas non plus. Voilà, j'aime pas ça. Non, c'est bon. Eh oui, je suis pas sur le même plan que le projectile, mais je me fais avoir, c'est génial. Mais c'est un bon petit jeu qui est franchement assez rigolo et très sympa, Dynamite Dux. Il coûte pas très cher, donc on va en profiter, parce que si... quelque part, si à chaque guide du collectionneur, je sors des jeux qui valent la peau du fion, ça va devenir très vite chiant, que ce soit pour vous ou pour moi, quoi. D'ailleurs, si vous voulez jouer à Dynamite Dux dans les meilleures conditions, la version arcade, hein, le sur même, qui est vraiment, vraiment craqué. Hop. Alors, qu'est-ce que si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est bon, j'ai encore 5 minutes devant moi. Je vais quand même, voilà, profiter que j'ai un moment de calme. Donc il reste quoi à faire? Il reste ça. Ok, ok, du coup, bon, on est bien. Par contre, ce niveau-là, j'ai pas joué jusque-là hier. Plutôt, c'est là où, hier, j'ai arrêté le jeu. On va quand même continuer une minute ou deux. Ah, de toute façon, ce stream, il est totalement fait pour qu'on redonne, pour redonner aux gens l'envie de ressortir ces consoles et même de jouer à certains jeux. Oulalalala, waouh, c'est quoi ce boss? Ah, j'ai cru que je l'avais bloqué dans un pattern. Qui est le bourrage à l'infini. Waouh. Allez. Ah, j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'en fait, on peut charger son attaque en laissant le bouton enfoncé. Mais par contre, on est gratuit, on peut plus bouger, quoi. Ça fait penser un peu à Astérix. Allez. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié que la pause... Ah. Alors, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on se fait en premier? Ouais. Comme ça, au moins, je vais pouvoir bourrer du bouton. Alors moi, vous savez très bien que j'adore les shoot'em up. Fantasy Zone, j'aime bien, mais que sur PC Engine avec le tir avec l'autofire, hein, parce que là... Là, je suis obligé de bourrer le bouton, vous voyez, et j'aime pas ça. Mais alors, sur Master System, c'est encore pire. Après, vous pouvez très bien laisser le tir enfoncé, mais...
Pour le coup, c'est déjà moins efficace. D'ailleurs, Fantasy Zone, c'est un jeu que je pensais qu'il était super coté sur Master System. Et en regardant un peu la cote un peu partout, je me suis aperçu que c'était pas si cher que ça. Le 2 est bien sûr plus rare que le 1. Le 2, je l'ai en loose d'ailleurs. C'est le seul jeu Master System que j'ai en loose. Celui sur Mega Drive est excellent d'ailleurs. Je l'ai aussi. Super Fantasy Zone, je crois il s'appelle. Et celui que je préfère encore, c'est celui sur PC Engine. Que j'avais poncé comme un goré. Quand je l'avais sur la machine. Ah, le CPM. Des bisous à Mister MV. Voilà. Le 3, j'ai jamais fait. Une espèce de Pac-Man bizarre, d'accord, comme assist. Ok. Waouh, falloir que j'essaye, Sinaël. Il y a effectivement un portage NES, qui d'ailleurs, j'allais en parler, est fait par Sunsoft. Étant donné que c'est un jeu fait par Sega, ça, généralement, c'est la gratuité. Voilà. Alors, je sais qu'à un moment dans le jeu, je vais crever de façon un peu dégueulasse. Ce qui va me forcer de recommencer le jeu depuis le début. Donc, pas bien grave. On va y arriver. Ah, là, c'est le passage que j'aime pas. C'est bon. Et là, je crois que j'ai tout. Ouais. Y a plus qu'à attendre que le boss, il arrive. Alors moi qui aime bien les shoot'em up, R-Type, c'est généralement des jeux que j'aime pas, les R-Type. Pourquoi? Parce que c'est un peu trop strict. J'aime bien les jeux où t'as quand même un côté où faut apprendre les patterns et tout machin, mais où tu peux quand même improviser un peu. Parce que R-Type, c'est un peu, tu connais le jeu ou tu connais pas, et si tu connais pas, ben, tu vas crever. C'est pour ça que généralement, j'aime pas trop R-Type. D'ailleurs, pour tous ceux, je sais qu'il y en a pas mal qui m'avaient posé la question, je sais plus quand. Quel jeu je conseille pour quelqu'un qui veut apprendre les shoot'em up? Bah, t'as Life Force sur NES, qui est vraiment très bien. Puis t'as Gradius aussi, qui est... Ah, voilà, c'est bon, j'ai réussi à prendre le truc. Je vais prendre le White Beam, et on va prendre la vie. Voilà. Voilà. Ah là, c'est le passage que j'aime pas aussi. Voilà. Même si c'est très simple, c'est un passage qui est très chiant. Voilà, eux aussi sont très chiants. Wouah, sel, c'est quoi ça? C'est du sel. Ah non, non, mais je veux rien revendre. Wouah, la faute de frappe. Je crois que ça devait être écrit en jap anglais. Ouah, c'est pas bien. Concentre-toi. On va dire des conneries. On dira les conneries après. Voilà. Eh non. C'est le décès. Alors, ouais, non. Ok. Ah, ok, c'était pour sélectionner ce que j'avais en stock. Je me souvenais plus de ça. Non, pour bien commencer les shoot'em up, Gradius 1 sur NES, c'est... On va dire que c'est la base, c'est un jeu qui est très, très sympa, qui a sa petite difficulté sans être non plus infaisable. Après c'est sûr, si on commence par Mushi, Mesama, Gomampachi, Daifukatsu, des conneries comme ça, c'est tout de suite plus compliqué. D'ailleurs, pour ceux qui veulent commencer la série des Gradius, t'as Gradius Collection, je crois, sur PSP. La compile des Gradius. D'ailleurs, en parlant de compile PSP et de shoot'em up, la compile Parodius est géniale hein, sur PSP. Je l'avais à un moment donné et je l'ai revendu. Par contre, là, je l'ai crevé. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, ils s'en vont. Ouh. On va y arriver. Ah, c'est le boss que j'aime pas. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas ce boss.
Parce qu'à chaque fois, je m'aperçois à la fin que c'est ce boss-là, et je meurs dessus. De toute façon, je sais que le jeu, je vais pas y jouer longtemps. Et merde. Comme je me souviens plus non plus comment on tue ce boss de façon efficace. Après, avant qu'on me pose la question, la série Choose et Mode préférée, c'est les Parodius. Parce que c'est des jeux qui sont pas trop prises de tête, mais là je fais n'importe quoi. Bon, dès que j'arrive au Game Over, ce qui va arriver d'une seconde à l'autre, on passera au dernier jeu de la sélection classique. Avant de passer à la pub. C'est bon. Ah mais non. Oh là 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 là. Game over. Ouais, effectivement. Allez, vous n'avez rien vu. De toute façon, j'avais même pas mis la vignette pour Fantasy Zone. Du coup, on va se taper un petit coup de Shinobi. Parce que Shinobi, c'est la base. Allez, on est parti. Bon, le portage est bien entendu dégueulasse comparé à la version arcade. Mais bon. On fait ce qu'on a. Par contre, ah oui, c'est hier en jouant à Shinobi que je m'étais aperçu que le son FM était activé. Shinobi, le jeu dans lequel j'avais englouti des dizaines de pièces à l'époque et que j'avais jamais pu terminer en arcade. Que j'ai terminé lâchement avec des save states en émulation. Du coup, alors, on va passer plus de temps sur Shinobi. Oula, par contre, ouais, faut peut-être que je me concentre. Ce Shinobi, c'est pas le genre de jeu où tu vas pouvoir lire le chat tranquillement. Version PC Engine, effectivement, pas mauvaise. Il existe aussi un portage NES aussi qui est fait par je sais plus qui d'ailleurs. Hein. Je demande si c'est pas pour le coup encore Sunsoft ou. Non, par contre, ça c'était pas une bonne idée. Non, c'est bon. Alex Kidd in Shinobi World qui est pas dégueulasse en fait. Mais c'est pas le meilleur jeu de la Terre non plus. Shinobi, non, c'est pas vraiment tumeur, tu peux reset la partie, t'as toujours moyen de te démerder. Mais c'est un peu comme je disais avec R-Type, c'est du Parker quoi. Tu connais pas, t'es mort. Shinobi d'ailleurs, il y a un jeu qui a tué la licence selon moi, c'est Shin Shinobi Den sur Saturn. Après, je connais des gens qui sont fans du jeu, moi personnellement, beaucoup moins. Mais bon, je me suis pas fait avoir. Apparemment. Ok. Je voulais vérifier. Alors, le compositeur des musiques du jeu a aussi fait... a quitté Sega, je sais plus en quelle année, je crois 95. Il s'appelle le Yasuhiro Kawakami. Je vais y arriver. Et il a fait... Il a travaillé aussi pour Squaresoft. Il a fait les musiques de Final Fantasy Mystic Quest. Voilà. Et lui, de mémoire. Voilà. Avec le fameux Spider-Man Swap Color Captain America. Voilà. Après, c'est vrai que la version Master System, avec la barre de vie, ça rend le jeu beaucoup plus facile. Ça, j'en conviens. D'ailleurs, le portage, il est pas si mauvais pour l'époque. C'est même plutôt bon. Et
je disais comment on peut ruiner une aussi bonne série que Shinobi. Eh ben, Shin Shinobi Den, c'est la base. Je l'ai d'ailleurs sur Saturn, hein, je l'avais fait à l'époque sur la chaîne YouTube. Assez immonde, personnellement, c'est pas le genre de jeu que j'aime bien. Le perso, il est super rigide, les animations sont dégueulasses, c'est fait en... Ah, un peu quand même, les persos digitalisés, comme à la Mortal Kombat. Bon, je me souviens plus de la version Master System, comment on envoie les, comment on envoie la Fury. Mais c'est pas grave. Pour le premier boss... Bah, je regarde dans la notice, tiens, je crois que j'ai la notice pour le jeu. Voilà. Alors, Shinobi, j'ai pas la notice, génial. C'est bien. C'est là qu'on voit quand même que... les notices, c'est la vie. Hop. Puis la semaine prochaine, je pense qu'on fera, de la Super NES. Il reste quoi? Super NES, N64, Mega Drive pour qu'on en a déjà fait aujourd'hui. Quoique Mega Drive, j'ai déjà fait, je crois. Hein. Alors, je vérifie. La Game Gear, ça risque d'être compliqué. Personnellement, j'aimerais bien en faire. Ah, mais par contre, je fais de la merde. Donc, à vous dans le chat de me dire ce que vous voulez voir la semaine prochaine. Tout en sachant que ce sera le mercredi, la veille de Noël. Wow, c'était quoi cette arme dégueulasse? Des grenades? Oh, je me souvenais plus de ça, là. Tout en sachant que si c'est Super NES, voire peut-être même N64, ce sera sur le vrai hardware, pas d'émulation. Ça suffit les conneries au bout d'un moment. Ah mais non. Waouh, c'est quoi cette grenade dégueulasse? Après les jeux Shinobi ont parfois une qualité un peu inégale. Il y en a certains qui sont un peu... je vais pas dire controversés, mais un peu moins génial. Ouais, vraiment le 1 que j'aime bien, il y a aussi Revenge of Shinobi qui est très très bien sur Mega Drive. Après Shadow Dancer, j'ai un peu moins aimé. Pourquoi je ferais pas de l'Amiga ou de l'Atari ST? Tout simplement parce que j'aime pas tellement ce genre de machine. Et puis ce genre de machine, c'est tellement aussi... Et les jeux un peu sur les ordi à l'époque, c'était tellement typé. Que personnellement, ça m'ambiance pas, je collectionne pas non plus ce genre de machin. Donc, le but que je me suis fixé aussi, c'est de parler aussi des choses que je connais, si c'est pour parler des choses que je collectionne pas. Je vais pas dire que ça a pas grand intérêt. C'est un peu comme si Ken Bogard il se mettait à faire des émissions sur... comment dire? Sur du Dota 2, ou des... voilà, des choses comme ça. Je fais des choses... Des streams sur des jeux et des consoles que je connais très bien, sur des machines plutôt que je connais très bien. Donc là, je me fais démolir. Pour la capture, c'est aussi super casse-couille. Je sais d'avance déjà que l'Atari ST, ça passera pas, j'ai déjà essayé. L'Amstrad CPC, c'est même pas la peine d'essayer. Puis émuler de l'Amstrad CPC... les temps de chargement, oh là 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 là. Ça risque d'être l'angoisse aussi. Ça, ce genre de choses. Ah, Ken Bogard fait des choses aussi sur des jeux qu'il connaît très bien. Et c'est ça le principe aussi des émissions aussi.
je vais pas me mettre à faire des parties de Binding of Isaac. Alors que le jeu, bon, j'y joue une fois de temps en temps, mais... J'aime bien le jeu, attention, hein. Commencez pas à... Y a pas de temps de chargement avec... Ah, avec les disquettes, oui, sur ces PC, oui. Effectivement, avec le sur 6128, les temps de chargement sont réduits, je crois. C'est seulement avec les cassettes. Donc c'est pour ça que déjà, faire de l'Amstrad CPC, ça risque d'être galère. Ah oui, c'est vrai. De là, on peut pas sauter, mais de là, oui. On va essayer comme ça, on va essayer de le bourrer. Voilà. Parfait. Cool Zengold sur Master System, je l'ai d'ailleurs. Alors là, de mémoire, vers arcade, il y avait un pattern un peu chiant. Ah non, même pas. Il veut même pas venir, ok. D'accord. Je dois confondre avec le niveau d'après. Après du CPC, moi j'en ai toujours un. 464, c'est pas le propos. C'est que si jamais je veux faire ça proprement, il faudrait que je fasse pas d'émulation et je les temps de chargement sur la machine, c'est impossible. Même aussi sur Amiga et Atari ST, hein, quand je vois les temps de chargement des fois, je me dis que c'est clairement pas possible. Par contre là, faut vraiment que je me ressaisisse parce que là, je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Après, le 464, c'est un trip. Moi, j'en ai un. C'est une machine que j'aime bien, d'ailleurs. J'aime bien dès l'instant où j'ai compris qu'on pouvait brancher une manette de Master System dedans pour rendre les jeux moins immondes à jouer. De l'Amstrad, on en fera peut-être un jour. Ah mais non, mais je suis vraiment de la merde. Oh là là. Je crois qu'on peut, mais non, on peut mourir, bien sûr. Si on fait n'importe quoi. Oui, en fait, il reste plus que les ennemis verts. Ouais, il reste plus que les ninjas verts. Ah ouais, parfait. Ah bon? Ok. Oh là 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 là, l'angoisse. Oh là 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 là. MO5, j'en ai deux, j'ai... L'édition Michel Platini et l'édition classique. J'ai aussi un TO7. Je collectionne pas vraiment ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai... Oh non! Flash, je recommence. Bon, c'est pas grave. Du coup, au lieu de me concentrer sur le jeu, je vais recommencer tranquille, mais en lisant le chat, en discutant avec vous, ce sera plus sympa. Et c'est d'ailleurs, le Shinobi, c'est aujourd'hui le jeu le moins cher de la sélection. On peut le trouver à 5€ en boîte. Part, c'est bien. Arcade, j'ai une borne. J'ai une borne. D'ailleurs, je pense qu'un jour, on parlera arcade. Sous quelle forme, je sais pas exactement. Par contre, attention, j'ai une borne. J'ai revendu toutes mes PCB il y a quelques années. J'ai plus qu'une carte dedans, il y a de l'émulation. Donc c'est pour ça que... D'ailleurs, ma borne, il va peut-être falloir un jour que je me motive à la déménager de chez mes parents et à la ramener dans mon appart, ce serait vraiment très bien. Parce que ça me manque de pas pouvoir jouer le soir avec le son à fond. Ah, le Sharp X68000, c'est très bien ça. Je crois que je suis pile sur le truc, non, c'est bon. Mais je crois que l'arcade, on en fera un de ces jours. Déjà parce que l'arcade, j'adore ça pour commencer. Olé. Ouais, je crois qu'on fera de l'arcade. Ça m'a donné envie. Tiens, peut-être pendant les vacances sur la chaîne perso. Ah bah, j'y pense. On fera forcément de l'arcade un jour. Quand on parlera de la Neo Geo. Parce que pour émuler de la Neo Geo, étant donné que j'ai pu... Ah bah tiens, je me demandais tout à l'heure si j'avais toutes les consoles rétro, la Neo Geo AES, je l'ai plus. Oui, sur X68000, t'as effectivement un Mario spécial. Je me souviens plus ce qu'il a de particulier. Non, je vis pas chez mes parents, j'ai mon appart, c'est juste que ma borne, je l'ai pas déménagée.
Et ça me fait chier. Pourtant, j'ai la place, mais faudrait quelqu'un qui me file un coup de main pour la démonter. Parce que c'est une borne japonaise. C'est une Blast City, ça pèse une tonne. Parle de Parodius Da, le portage sur Super NES, c'est très bien. Ah, mais non. Mais non. Ouais, exact, il est fait par Hudson, le jeu. Je sais plus où j'en ai entendu parler. Le fameux Super Mario sur l'ordinateur Sharp. Oui, je sais où, maintenant. Il y a un mec sur YouTube qui fait des réparations de vieilles consoles, de cartes arcade, de PCB et micro-ordinateurs qui s'appelle Luc Morse. C'est un Anglais qui vit au Japon. Et il avait réparé un Sharp X68000 il y a quelques temps. Et c'est là que j'avais entendu parler du fameux Super Mario Bros. Fait par Hudson. D'ailleurs, si vous êtes intéressé vraiment à la réparation de vieilles consoles, ce qui fait le gars, là, Luc Morse, c'est vraiment très bien. Luc Morse 1, c'est le nom de sa chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse. Bon, les vidéos sont toutes en anglais, mais ça donne une base assez intéressante pour tous ceux qui veulent réparer des machines. Le gars est très sympa, hein. Moi je sais que j'ai des fois eu des questions un peu techniques, et le mec il y répond très volontiers. Il avait réparé aussi un NEC PC 98, effectivement. Enfin, le mec il répare un peu tout ce qu'il peut trouver là-bas au Japon. Allez, encore 2-3 minutes. On va envoyer les pubs et puis après on mettra le jeu de l'angoisse pour la fin. Hop. Ah, le FM Towns. Ils avaient d'ailleurs sorti une version. Version à part qui s'appelait le Marty, si je dis pas de bêtises. Eh hey merde! Il existe une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ah, j'ai récupéré les grenades, ça c'est pas bien. Mais pourquoi pas, tiens, pour Noël, faire une petite vidéo là-dessus. Ah, peut-être pour la semaine prochaine, tiens, si j'ai le temps et si j'ai le courage. Le problème, c'est que je pourrais pas tout montrer, parce qu'il y a encore des choses que j'ai dû laisser chez mes parents. Ouais, c'est l'angoisse, cette arme. Les grenades, c'est vraiment pas bien. D'ailleurs, je me souvenais plus qu'il y avait cette arme dans la version Master System. Bizarre, tout ça. Du coup, bah, pour pas avoir à recommencer un bonus stage, on va mettre la pub tout de suite, et puis on va revenir après pour un petit jeu sympathique. Allez, la pub! We'll be right back.
On va reprendre. Alors par contre, voilà, on va cacher ça. J'ai réactivé le micro. Oui, allez. Donc dernière partie de l'émission, on va jouer à un jeu de l'angoisse que j'adore, mais attention qui va me faire péter des plombs, The New Zealand Story. Pourquoi me faire péter des plombs? Bah parce que quand j'y ai rejoué, bon déjà c'est un jeu que j'aime bien, hein, donc y a pas de mystère. Je me suis dit, tiens, on va. À un moment donné, le jeu m'a tellement énervé, je vais lire la notice. Donc il n'y a pas de continu dans le jeu. Pour avoir les continues, il faut aller, je crois, jusqu'au niveau 4, sans crever, et c'est l'angoisse. Alors par contre, ah, j'ai pas mon petit logo qui va bien, alors attendez, parce que là, ça va pas. Ah, voilà, il est là, mon petit logo qui va bien, par contre, faut que je mette pause. Voilà. Pourquoi j'avais pas mis mon petit logo à la con? Voilà. Le Seal of Quality, pourquoi? Bah, parce que c'est un jeu... vaut, c'est pas Shinobi déjà. Ah là 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 là. L'organisation. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui vaut moins de 20 euros. C'est fait par Taito. Alors pour tous ceux qui ont joué à des jeux Taito qui avaient l'air très mignons. Ah merde, j'ai pris l'arme de la mort. Magnifique. Magnifique, voilà. Bon déjà pour commencer... J'étais en retard, parce que c'est un jeu où faut constamment se manier le fion. Les patterns sont totalement différents quand on prend son temps, ou c'est... Ah, c'est un jeu qui est génial. Moi, je vous conseille à la limite plus d'y jouer en émulation arcade. Parce que ce portage Master System sans les continues, non, c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, clairement, les jeux à l'époque, ils étaient pas faits. Ils étaient vraiment faits pour qu'ils jouent longtemps et que voilà. En plus, il y a des choses dans ce portage Master System qui sont pas logiques. On peut récupérer des petits véhicules qui vous permettent de voler.
Si on touche votre véhicule, genre 2 pixels à l'endroit bien précis, bah vous crevez. Alors que normalement, ah voilà, c'est bon. Normalement, on devrait, j'ai dit, pouvoir faire le stage sans trop de problèmes. Sur NES, il y a aussi, et je pense qu'il y a des continues sur la version NES. J'y ai pas rejoué depuis, hein. Je l'ai aussi sur NES. Voilà. Alors là, normalement, voilà, lui, il va popper, et là, on est bon. Pourquoi faut se presser? Parce qu'en fait, si on va pas super vite, les patterns changent. Et parfois, en traçant, tu peux avoir un pattern super simple. Et quand tu vas prendre ton temps, et ben, tu vas avoir un truc de l'angoisse, hein, bah, absolue. Parce que tu vas avoir des ennemis qui, par exemple, vont refuser d'avancer, ils vont refuser de bouger. Ils vont refuser de bouger, et franchement, c'est très chiant. Et je crois que d'ailleurs, dans le portage Master System, il y a certains ennemis qui sont différents comparés aux celui sur NES. Ah, ce jeu est excellent. Moi, je connaissais pas. Je l'ai découvert en fait sur Master System. Quand je suis tombé dessus par hasard au marché aux puces. Je me suis dit, tiens, c'est fait par Taito, ça doit pas être mauvais. Et effectivement, c'est vraiment très bien. Le système de continue dans la version Master System est horrible. Il y en a un à partir du niveau 3, un à partir du niveau 5 et c'est tout. D'après ce que j'avais. Voilà. Comme là, par exemple, je me suis pas fait tirer dessus directement. J'aurais juste dû perdre en fait mon entre guillemets véhicule. Donc il y a des choses qui sont pas logiques et il me semble dans la version NES c'est pas comme ça. Et en même temps on peut pas en vouloir non plus à Taito parce que c'est pas Taito qui a fait le jeu. Le jeu a été porté par ah oui là ici il y a un safe spot. Ah qui... non il y est pas. Ah l'arnaque. Dans la version NES ici avec quand on a un machin, on peut se cacher en fait. D'accord, super, game over. Bon, hier, je m'étais dit, bon, certes, le jeu va me rendre fou, mais bon. C'est en dernière partie d'émission, ça va. Mais il y a l'impondérable, c'est que j'ai chopé la grippe, je pense. Vu comment j'ai froid, j'ai des courbatures et que j'ai le nez qui coule. Et la grippe plus ce jeu, c'est pas bien. Pour ça, là, mon but ce soir, c'est à la limite d'aller au moins jusqu'au niveau 2. Et puis après, on dira, j'irai pas mission accomplie, mais... Ah, voilà, donc j'ai pas tracé des débuts. Et j'avais le droit aux deux bigorneaux les plus dissidents de la Terre. Non, non, non. Et j'ai pris la bombe. La bombe magique, voilà. Et ben, allez. Ah, bah, il faut toujours trouver des excuses de sac. Hein. Quand on est mauvais, on est mauvais. Ah, je suis un sac, je l'avoue. À New Zealand Story, en tout cas, il n'y a pas d'embrouille, ça c'est clair. En fait, quand on va vite et qu'on a récupéré en fait les différents patterns. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que tout de suite, ça paraît beaucoup plus simple. Ouah, non, quand me remettre contre la grippe, non. Céder le Chantal Goya, non, non, non. Je crois que je serais capable de faire un homicide. Oh, mais non, oh non. J'ai fait le con. C'est là qu'on voit que... Eh merde, j'ai fait le con deux fois. Magnifique. Alors, les vaccins, faut pas m'en parler. À titre personnel, je m'en fous. Je l'achète pas non plus chaque année, mais là, je sais pas. Ok, magnifique. Voilà. Allez, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Après, on va pas débattre aussi de l'efficacité des vaccins, des effets secondaires et tout. On peut débattre si le système de continu de ce jeu est juste ou pas.
Voilà, et il y en a un deuxième ici, et normalement on est bon. Non, non. Waouh. Même si c'est Miss Monde qui vient faire la piqûre, les vaccins, non. On va y arriver. Déjà, mon but, c'est de ne pas mourir devant ce stream. C'est de mourir juste après, pendant les pubs. Alors, je vais mettre pause parce qu'il y a une question qui est dans le chat qui me semble intéressante. C'est pas qu'il n'y a pas de mémoire interne. C'est que, pour expliquer comment c'était sauvegardé à l'époque dans les cartouches, c'était une pile. Tout simplement, une pile au lithium. Une pile bouton comme il y avait dans les montres. Qui permettait de faire les sauvegardes. Et il me semble que dans les Master System, c'est pas qu'il n'y avait pas la place même d'incorporer une pile. C'est, il me semble, après j'ai peut-être des conneries, hein. Je crois qu'il n'y a aucun jeu qui supporte ce truc-là. Peut-être par... Oh putain, j'ai des conneries. Peut-être parce que Sega, tout simplement, ils en avaient un peu rien à foutre à l'époque de d'implanter des piles de sauvegarde. Mais dans les jeunesses, déjà, les jeux qui supportaient les piles de sauvegarde, ils étaient déjà assez rares. Il n'y en a pas énormément, hein. Ok. On va y arriver. Pour l'instant, il m'a pas envoyé. C'est bon. C'est des 2032 dans les jeunesses. CR2032. Dans les jeux Game Boy, des fois t'as des CR2032. Des fois des CR2025. Dans les jeux GBA, des fois des 25. Des fois des 16-16. Enfin, ça dépend. Après, c'est pas le voltage de la pile qui change, généralement, c'est la taille. Donc dans les jeux, on s'en doute bien, dans les jeux Game Boy et Game Boy Advance, comme il n'y a pas super la place, mettre une 2032, c'est compliqué. De toute façon, si vous étiez là il y a 15 jours, vous savez maintenant comment on change une pile de sauvegarde. Alors, j'ai pas envie de louper ce passage. C'est de me concentrer, ce sera bien. Ah oui, le passage à la con. Ah mais non. Ah oui, c'est vrai. Ok. Après, s'il y a une version de ce jeu que je préfère, c'est quand même la version NES. Ah, l'invincibilité, c'est bien. Est-ce que c'est une vie ou c'est un continu que je viens de ramasser? Ah, ça va être une vie. Ok. Ah mais non. Voilà. Voilà. Ah. C'est bon. D'accord. Ça me ramène où? Ici avec un machin. Oui, c'est bon. C'est bon. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Ah. Allez, montez, s'il vous plaît. D'habitude, vous êtes... Ah bah non. Ça sent pas la gagne. Non, c'est bon. Allez, 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 on bourre et on trace. Voilà. Ah.
Après, c'est ce jeu-là, c'est carrément un bon jeu. Ce qu'il y a, c'est qu'il est tellement dur. Et voilà, je viens de faire le con. Alors que pourtant, c'était garanti, c'était gratuit. Ah, carrément, hein, si on parle des développeurs shootés au Xanax, je vois Parodius. Hein. Waouh, c'est violent. Carrément. Après, Parodius, moi, c'est une série que j'adore. Donc ouais, la notice, elle dit des conneries. On récupère pas un continu au niveau 2. Je vérifie. Ah, la baiserie. Waouh, c'est n'importe quoi. Et deuxième game over. Bon, ça va, quelque part, je dois rendre l'antenne à moi 5. Donc, non, je veux pas la bombe. Disparaît. Hors de ma vue. Voilà. Et là, normalement... Ah, en allant, j'ai perdu 40 kilos, Jean-Jean. C'est ça, le sport. Non, non, mais il troll pas. Totalement raison, c'est vrai. D'ailleurs, moi, j'ai recommencé les shoot 'em up à cause de Parodius. Les délires étaient tellement stylés que... Après, Parodius, il y a juste celui sur Saturne. Sexy Parodius que j'aime pas. Sinon, Parodius Da est sympa. Goku Joe est excellent. Le meilleur, c'est quand même Jukio Chaberry Parodius. Dans la version Saturne, qui est vraiment stylée. Que j'avais fait d'ailleurs, hein, dans le Geeky Collectionneur sur Saturne. Par contre, là, je viens encore de faire une connerie. Et on va devoir attendre la fin du timer. C'est bien. D'ailleurs, je devais aller courir ce soir. Et vu comment j'ai les courbatures et j'ai un peu beaucoup froid, je crois qu'on va éviter. Et non, la lucidité, voilà. Non, pas piquer les expressions à Mister MV. Alors, je vais essayer une autre stratégie. Voilà. Normalement, il devrait popper vers le bas. Parodius, c'est vrai qu'il est... Bah, quelque part, c'est pas... C'est lequel que tu as terminé de Parodius, Yali. Parce que tu as le duck qui est vraiment... Qui est assez chiant par endroit. Ah, Mister MV, il est sur la TV2. sur SNES, il en existe 3 en fait. Il y a Parodius Da, où t'as un passage où il faut que tu apprennes par cœur l'endroit précis où il faut passer. Tu as celui où tu as Kid Dracula dedans en jouable, qui est Goku Joe Parodius. Et tu as ensuite Jukio Chaberry Parodius. Donc effectivement... Ah, il est pas sur la TV2. Ah d'accord. Ah bah oui, ça termine à 18h. C'est vrai, j'ai des conneries. Faut que je me concentre par contre. Voilà. Non, mais non. Ah, tu me diras la semaine prochaine lequel tu avais fait. À mon avis, le plus simple des trois sortis sur Super NES, c'est encore Goku Joe Parodius, qui est le second, je crois, dans la licence. Parodius Da étant en fait un portage du premier Parodius. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Mais c'est encore le plus simple des trois Goku Joe.
Ça reste comme de toute façon des jeux qui sont vraiment terribles. Hop, je crois que là on peut passer plus vite, ouais. Et là, si on bourre bien, voilà, ça passe. D'accord. Donc lui, on peut pas lui sauter sur la gueule. Ça, c'est bien. Un écran LCD top pour l'émulation. Non, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai toujours ma grosse télé cathodique. De toute façon, vu le prix que ça coûte des télé cathodiques. Après, c'est clair, ça prend de la place, c'est chiant. Voilà. Allez, descends. On va y arriver. C'est là qu'il faut aller, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas tellement aimé le bruit que ça a fait, mais c'est pas grave. D'accord, oui, ça pop sur ma gueule, c'est bien. Bon, deuxième game over. Histoire de pas rendre l'antenne en retard, je vais quand même continuer une minute. Et puis après, on va se quitter. On va se quitter là-dessus. Donc la semaine prochaine, je pense qu'on fera de la Super NES. Pour le soir de Noël, ce sera très bien. Ah non, j'ai repris la bombe. Voilà. Ah bah troisième game over, il fallait bien. Des bonnes fêtes à vous, hein, pour tous ceux qui seront pas là la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense qu'on fera de la SNES, ça me paraît intéressant. Essaiera de faire un programme stylé. Ah, mais non! Par contre, là, je crois que je vais faire une connerie. Ouais. Et non. Pendant un temps, j'y ai cru. Oui, je connais Hooper, bien sûr. Après, les vidéos sur Internet, j'ai plus tellement le temps de regarder comparé à quelques années. Oh, mais non. Bon, enfin. Je vais rendre l'antenne, parce qu'il y a GE2 derrière, et j'ai pas envie de lui rendre l'antenne en retard. J'avais posé la manette, on est bien d'accord. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Pas grave, je regarderai. Je regarderai la rediff. Et ben on sauve là-dessus les amis. Et ben écoutez, pour tous ceux qui seront pas là la semaine prochaine, des bisous et des bonnes fêtes à vous. Puis bon, on se reverra. Puis pourquoi non? J'espère vous voir la semaine prochaine, ce sera bien. Allez, des bisous et puis ben à très bientôt. Allez, salut.
Merci.